Yo les potes, c'est Joe 50, j'espère que ça va être nous ça super, il y a Manin derrière la cam. Ouais. Donc les gars, aujourd'hui présentation de ma moto, donc c'est une Beta Track édition limitée les gars. Donc ce qui change du modèle Beta Track classique, l'édition limitée les gars, elle a les fourreaux en rouge, amusés en rouge, qui sont vraiment magnifiques les gars, moi vraiment je les kiffe. Il y a le kit classique en bleu avec le kit déco des éditions limitées, franchement moi je trouve trop bon. Il y a aussi le réservoir transparent. Et le brossien en couleur rouge avec marqué track. Désolé les gars, je viens de nettoyer parce que sans vous mentir, c'est hyper chaud de les tenir propres en hiver les motos. Donc vas-y, viens, on commence à la range. Donc les gars, là on a un disque en 260 avec étrier double piston, liseré de jantes en track en rouge qui sont vraiment magnifiques les gars. Poste de pilotage, c'est très simple. Le petit klaxon, clignot, les pleins phares. Le starter, l'embrayage. Là, le coupe-circuit, les gars, en cas d'urgence. Tirage rapide, les gars, vraiment de la grosse merde, les tirages rapides d'origine bêta. Vraiment, ça vous mentirait plus la bite. Après, les gars, compteur. Donc là, on a le contact. Si on met vers là-bas, on tourne. Du coup, là, c'est bloqué, vous voyez. Donc en vrai, c'est tarpé bien, les gars. En vrai, si vous vous garez en ville ou quoi, c'est vraiment sécurisé, c'est pas mal. Après, niveau compteur, vraiment, je le kiffe, ce compteur. Donc là, je suis à 1930 km. Donc là, il y a le chronomètre qu'on peut lancer. Vitesse moyenne 34. Vitesse max 88. Donc les gars, faut savoir que 88, je l'ai fait en descente, on était deux. Mais sur le plat, je prends plutôt 70-80. Je vous dirai après ce que j'ai fait comme les éclairs et tout ce que j'ai mis. Et après, de l'autre côté, il y a les trips et il y a le nombre d'heures. Donc 54,8 heures. Donc en vrai, j'ai beaucoup roulé. Le rodage, je l'ai fait en deux semaines, les gars. Mais en vrai, ça va. Donc après, niveau moteur, les gars. Donc, cylindre d'origine, tout d'origine, carbutesse dès l'orto, pas de boîte à clapet, ça reste de l'origine. Je comptais peut-être mettre des kits ou mettre des pots, mais pour l'instant, mes parents sont vraiment pas d'accord. Et puis voilà, les gars. Donc, après, c'est classique, broussillant. En transmis, je suis en 1250, il me semble, c'est ça. Avec la couronne à lui qui est vraiment magnifique. Bon, pareil à l'arrière, les liserés en rouge, les gars. Et voilà. Donc, car, le support de pack, je compte changer parce qu'il est beaucoup trop long. J'aime vraiment pas du tout, les gars. Après je suis à un pompe à huile encore, donc ça va, au moins ça m'emmerde pas. Donc ce que j'ai fait sur la moto pour pas rester à 45, j'ai débridé au niveau d'ici les gars. Donc là il y a deux côtés en fait. Donc j'ai ici j'ai enlevé la bride. Il m'en reste une dans la cartouche je crois, que je vais sans doute enlever. En gicleur, j'ai mis un gicleur de 105, donc c'est tarpin gros. Du coup j'ai beaucoup trop de sang qui arrive comparé à l'air. Donc soit je mets un cornet, soit je mets une big mousse dans la boîte à air. Mais je sais pas trop encore quoi faire. Et après je comptais changer le support de plaque. Mais après sans vous mentir, les kits et tout, j'aimerais bien, mais je peux vraiment pas en mettre pour l'instant. Mes parents sont pas d'accord. Voilà. Mais après sans vous mentir, c'est une tartan bonne moto les gars. Moi je vous la conseille. Après c'est sûr que le prix il est vraiment trop cher. Mais moi vraiment je voulais que ça comme moto. Donc voilà, je l'ai fait. Les gars, donc je vais la démarrer, elle fait un petit bruit. Juste les gars, tous ceux qui ont des bêta ou les pattes comme ça, dites à vos potes de pas monter dessus quand la moto est sur la béquille, sinon elle saute la truc. Donc je vais vous la démarrer. Après ça reste de l'origine, c'est pas fameux les gars. Mais... Donc voilà les gars, c'était Joe 50. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous vraiment en commentaire de ce que vous pensez de la bêta. C'était Joe 50. Ciao.